Bah, Risk of Rain 2, hein, je ferais bien peut-être une petite partie sur Risk of Rain 2. Il me semble que c'est également un roguelite. J'avais testé le premier, c'était assez cool. C'était du pixel art, il me semble. Et je trouvais la DA assez chouette. Cette planète n'est sur aucune map, d'accord. Exploration spatiale, vous avez des contact light en visuel? Non, monsieur. Que des débris. Vous voyez des survivants? Non, monsieur. Rien sur le scanner biologique. Monsieur, la balise de l'Egresse, elle disait beaucoup. Des monstres, des combats. Et monsieur, vous pensez qu'on est prêt? Monsieur. On n'en fait jamais des caisses. Allez. Ah, alors. Oh, la classe. Je vais prendre le perso Vania au début. Ok, prêt. Ah, attends, c'est en 3D? C'est en 3 dimensions? Oh, mais incroyable. Mais attends. C'est complètement différent de Risk of Rain 1. Oh, ça n'a plus rien à voir. Oh, la bagarre! Wow, carnage! Wow! J'ai tué un robot géant! Bim! Qu'est-ce que tu vas faire? En plus, j'adore ce type de jeu. J'ai l'impression que ce type de jeu, avant Risk of Rain, en tout cas, moi, ça me dit rien, mais on les voyait que sur soit sur mobile, et bizarrement, au début des mobiles. Moi, je me rappelle, j'étais avec mon iPod Touch sur ce genre de jeu. C'est une espèce de arena shooter, quoi. Oui, c'est la même chose que le 1, ouais, c'est vrai. C'est la même chose que le 1, et même, je trouve, tu reconnais un peu les mobs. Alors les robots géants qui tirent des lasers, je les ai reconnus par exemple. De mes souvenirs du 1. Attends, c'est ça le téléporteur, ces trucs là-bas? C'est ça? Oui! C'est ça! Oh, le titan! Oh! Ah quoi, il y en a plusieurs? Wow! Ouah, c'est mort! Non! Wow! J'ai rien compris! Ah, ça va, par contre, la courbe de progression, elle est plutôt agréable. Hein. Tu vois assez rapidement la différence entre la première run et la quatrième, quoi. Paf! Bagarre! Oh là là, c'est le bordel! Wow! La reine scarabée, tu as crevé! Yes! Oh là là! La guerre! Wow! Incroyable! Ah! Ah! C'est pas fini. Ouais! Ok. Ah, le golem! Allez! Allez, la bagarre! Wouh! Je vais l'avoir! Yes! Wouh! La bagarre!
Dans le bœuf, dans le bœuf. À mort. C'était abusé. Wow, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Que quoi? Que quoi? Un serpent géant enflammé? Que quoi? Ah, je vais jamais survivre à ça! Ou à la bagarre! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bordel! Ouh! Attends, c'est le serpent qui se transforme en géant? C'est quoi? Non, il y a les deux! Ouh! Il est où? Ah, il est rouge! Il est mort! Quel bordel! Incroyable! Wow! Hé! Oh non! Oh! Ah! Alors lui quoi, lui? Attaque par derrière, coup critique. Le bandido. Ok, j'ai pris masse dégâts. Mais je lui ai fait masse dégâts. Putain, c'est ouf les dégâts qu'il fait le perso. Donc là, je fais comme ça, hop. Ok. Ok, j'ai compris. Ok, je pense que j'ai compris. Ah ouais, il est bien le perso. D'accord, on va pouvoir débloquer des trucs, ça c'est bien. C'est vraiment cool quoi. Je dois dire là, quand tu vois les trois persos, ça fait une énorme diff. Non, je referai une séance là-dessus à mon avis jeudi prochain. Mais je risque de devenir vite accro en fait.